c'est la confirmation et l'assurance qui nous donne notre président actuel AI de la Fédération Congolaise de Football. Puisque avec son savoir-faire, je vous assure que je suis sûr que ça va aller, même au niveau de Chan là, contre le Tchad. Ça, je vous parle avec conviction. J'étais avec le président Chimanga. Il m'a rassuré que Yassanté Moulongoy, nous serons qualifiés au Chan. Alors, puisque vous-même, vous connaissez, à l'époque, il était un peu figurant. Mais aujourd'hui, avec toute cette expérience qu'il a vécue pendant tout ce temps-là, il a avalé. En avalant, maintenant, il va vomir. Bon, c'est en même temps, maintenant, le peuple congolais sera content de ça. Puisqu'on ne peut pas rester toujours plaisant, bon, que ce soit en politique, nous sommes menacés de l'est, à l'est, nous sommes en politique, tout de problèmes. C'est le football qui nous donnait un peu de la joie. Pas un peu court. C'est le football qui nous donnait la joie au peuple congolais. Mais aujourd'hui, le football est maintenant en dessous de la moyenne. À cause de quoi? Des manques de l'organisation. Il n'avait pas une bonne organisation. Avec ce monsieur, il y aura une bonne organisation, ça je vous dis la vérité. C'est vraiment son temps, son époque, pour que finalement nous puissions arriver à cette qualification. Oui, maintenant le temps est arrivé. Et c'est son époque maintenant. C'est l'époque maintenant de Chimanga Donatien. C'est son époque. Et maintenant, comme le temps est arrivé, on va maintenant le juger selon son époque. Mais comment vous allez juger quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui était figurant? Puisque les autres disent, oh voilà, pas Chimanga. Mais toi, Chimanga, qui maintenant? Vous allez mettre qui? Lui, il a de l'expérience. Mais ce que moi, j'apprécie, il y a d'autres, les anciens joueurs, les meilleurs. Ils ont dit que voilà, l'un de l'air. Il a dit que non, moi, je n'ai pas encore l'expérience. Laissons Chimanga rester là-bas. Moi, avec l'expérience, plus tard, je peux même me poser la candidature prochainement. Mais aujourd'hui, c'est Chimanga. Mais si vous voulez contraindre, c'est pour tuer maintenant le football. Mais c'est le président de la République, il faut songer à ça. Il y a un seul et une seule personne qui va nous amener à notre destin du football congolais, c'est Donatien Chimanga. Puisqu'il nous a dit, la fois passée, il est en train de réfléchir comment faire plaisir au chef de l'État. Le chef de l'État, il s'est donné, il a donné tout pour que nous puissions nous qualifier à la Coupe du Monde. Chez notre président de la République, le sportif numéro un. Ce qu'il a fait pendant au moins 2-3 ans là, c'était beaucoup pour les matchs de l'OPAR. Il venait chaque jour au stade, vous connaissez. Bon, jamais fait à l'époque. Mais aujourd'hui, et maintenant, en faisant tout cela, quel est les résultats? Il n'avait pas aucun résultat. Il n'y avait rien. Nous étions battus par les Gabons ici. Les Gabons. Hein? Et le Soudan nous a surpris là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous avons manqué quoi? Nous avions des bons joueurs. Nous avons une bonne équipe. Ça, je vous dis. Nous avons des bons athlètes. Et pourquoi pas nous avons eu toutes ces défaites-là? À cause de quoi? Manque d'organisation. Il avait l'argent. Notre gouvernement, un gouvernement responsable qui a donné tout l'argent sur l'ordre du chef de l'État. Mais on n'a rien fait. Et l'argent était parti où? Mais non, ce n'est pas normal. Et maintenant, en redonnant ces sourires-là, c'est l'arrivée du président Chimanga qui nous a dit que voilà, il faut donner le sourire au chef de l'État. Il est en train de se poumonner pour donner le sourire au chef de l'État et à son grand peuple congolais.